Bonjour et bienvenue, c'est Petit Chinois DNC. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au sommaire dans laquelle on va continuer le. Merde. On va continuer le Let's Build du Tariel Castle aujourd'hui. Donc, alors, grosse avancée sur le Let's Build Tariel Castle. Grosse avancée en off, hein, bien sûr, je vous le dis. Dans le dernier épisode, on avait fait ça. Bon, je suis d'accord, c'était pas forcément des plus intéressants. Donc aujourd'hui, je vous propose un truc intéressant. Du coup, je dirais que j'ai quand même un quart. Toute la zone nord-est du château. Nord-ouest, pardon, du château, est terminé. Est terminé. Du coup, aujourd'hui, je vous propose de venir travailler sur une partie ici, une partie dans laquelle j'ai une petite idée. Donc, on va la faire ensemble. Ouais, donc toute la partie nord-est, nord-ouest, pardon, oh, bordel, du château est terminée. Je l'ai pas faite en vidéo parce que voilà, vous voyez, c'est des petits patterns à la con, c'est pas forcément les plus intéressants. Ça aussi, ça c'est cool, tu vois. J'ai fait une petite poivrière et je l'ai mis dans le toit. Voilà, voilà, idée du jour. Apprendre ou à laisser. Qu'est-ce que t'en dis, Jean-Pierre? Qu'est-ce que j'en dis? Je sais, c'est pas la bonne émission, mais on s'en bat les couilles. Moi, j'invente les choses. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, au sommaire de laquelle on va donc travailler sur cette partie-là que je suis en train de faire. Je pensais que ici, on allait mettre une arche qui allait aller de l'autre côté. Du coup, je pense qu'on va se la faire, celle-là, tu vas voir. On va se la faire, cette arche. Elle va pas comprendre d'où elle est sortie. Alors, regarde. On va faire une arche, donc je pense, assez simple hein, en soi. On va pas aller dans l'archerie compliquée. Non, on fait une arche voilà qui va au centre, parce que je suis sur la moitié du pâtir. Voilà. Donc une arche qui va au centre, limite je pense que je pourrais la baisser d'un cran, parce qu'elle est un poil trop haut, tu vois. Elle est un poil trop haut, et le problème c'est que quand c'est un poil trop haut, et ben ça le fait pas. Et du coup d'ailleurs je vais même rajouter un bloc, parce que du coup je vais la faire sur 3 d'épaisseur comme ça. Donc une arche qui sera elle rectiligne, donc ça va casser avec le côté asymétrique d'en dessous. Ce qui a, ça peut être intéressant. Alors je sais pas ce que ça va donner. Et je pense que sur cette arche, on peut même rajouter sur le côté, dans le même exemple que la poivrière qu'on a mis sur le toit là-bas, on va rajouter ici un petit truc dans le même genre. Parce que tu vois, je regardais le château de dans les Disney là, le château au début là. Tu sais, quand ça fait tin 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 tin, voilà, et ben ça, le château, il y a une poivrière dessus. Et j'aime bien le concept. Alors attends, comment je le fais là? Lui, il est rentré dedans, donc il est là-bas, il est là, ok. Et ben donc ce château, j'aime bien l'idée de la poivrière qui est sur le côté. Alors, j'ai mis le toit là pour savoir si bien sûr ça ne fout pas trop le seum partout. Peut-être limite on va l'aligner, tu crois quoi? Moi je pense que c'est bien de l'aligner. On va l'aligner, tu vois. On va l'aligner comme ça, ça va être bien. Et puis, parce que le problème c'est que si tu n'alignes pas les choses, voilà, je t'explique un truc. Si tu n'alignes pas les choses, qu'est-ce qui se passe? Et ben les choses sont désalignées, tu vois. Hein, c'est un peu comme dans quel film ils ont besoin d'être alignés. Je sais plus dans quel film ils ont besoin d'être alignés, mais ils ont besoin d'être alignés. Et s'ils sont plus alignés, c'est le bordel. Et voilà, et donc de ce simple fait, tu captes tout simplement que si tu n'es pas aligné, c'est le bordel. Donc, aligne-toi, pour pas que ce soit le bordel. Alors, là, je fais juste une petite avancée comme ça, ce que j'aime bien. Je trouve que ça le rend bien, au final. Ça peut poser problème, mais ça donne de la forme, tu vois, à l'ensemble de la construction. Du coup, j'aime bien ça, tu vois. J'aime bien ça, et je le fais. Voilà. Quand t'aimes bien un truc, pourquoi t'en priver? Je veux dire, si tu aimes bien, fais-le. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux pas le faire? Parce que t'aimes bien. C'est débile. Non, voilà, c'est débile, je te le dis. Si t'aimes quelque chose, tu le fais, c'est tout. Si t'aimes pas quelque chose, bon, tu le fais pas. Il y a des choses que tu ne peux pas, sur lesquelles tu ne peux y réchapper. Pourquoi ne pas mettre hop, ça là, comme ça? Et ensuite, in the middle. On va mettre ça, mon gars. Regarde, hop. Voilà. Voilà, je laisse ça comme ça. Je suis pas encore satisfait parce que c'est trop collé par rapport au reste, mais du coup, on va laisser ça comme ça. En vrai, c'était bien au milieu, en fait. Je ne sais pas. Je t'ai dit, je suis un créateur. Un créateur, j'improvise, je crée, je réfléchis, j'expérimente. Tel le savant fou, tu vois, j'ai mes petites potions, et puis je teste des choses. Alors là, bien sûr, ce sera sans doute plus grand. Alors, ce que je vous propose, même, c'est qu'on va d'ailleurs, je pense, travailler sur le pattern. Parce que bon, le pattern, mine de crayon de papier en bois, ça reste le plus important. Donc, bien évidemment, je reprends les blocs que j'utilise. Alors, vous aurez noté, bien sûr, que pour le château, j'ai quand même introduit un nouveau bloc qui est le Packet Ice. C'est quoi cette merde en français? Ça doit être la glace paquet? La glace compressée? Bon, la glace, quoi!
La glace laquelle qu'ils font pas avec la glowstone, déjà c'est vachement bien, et qui n'est pas translucide. Voilà, cette glace là. Donc cette glace là, je m'en suis servi. D'ailleurs, il faut que je la. Putain, il va être vachement épais, mon gars. Putain, c'est trop épais, mon gars. Mais ça va jamais passer. Quand c'est trop gros comme ça passe pas. Ça passe pas. À moins de tout déchirer, mais ça passe pas, sinon. Ça ne passe pas. Bon, alors du coup, parce que je t'explique, j'envisageais de faire un pattern un petit peu incurvé et tout, talala, tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, si c'est décalé comme ça va être rapidement, je te le dis, ça va être rapidement le bordel. Parce que voilà. Donc voilà, tu vois, j'ai pesé tout ça, mais pour le coup, parce que si, je vais pas le continuer éternellement, là, il faudrait que je rajoute deux blocs. T'imagines deux blocs? Mais le truc, il va être trop profond, trop profond, trop profond, tu creuses encore. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va, je pense, faire un truc dans le genre. D'ailleurs, je suis un peu un teubé, moi. J'aurais pu l'aligner, là. Je suis un peu un teubé, moi. J'aime pas faire les choses correctement. Hop, j'arrive comme ça et je fais les choses malencontreusement. Donc, on va l'aligner, tu vois. Hop, 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 hop. Parce que sinon on est dans la merde. Quand même, ça fait une sacrée profondeur. Ça, j'ai tout l'espace plat ici, donc je ne sais pas encore à quoi ça va me servir. C'est pas grave, je vais doubler ici cette hauteur. Et je pense que il va falloir qu'on songe à travailler sur le pattern, très honnêtement. Parce que voilà, ça commence déjà à être un petit peu le bordel. Et bien évidemment, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Comme d'habitude, c'est pas ce qu'on veut. On va mettre ces deux petits trucs là parce que ça fait joli. Parce que ça fait joli. Et je pense que pour le coup, parce que le pattern est quand même assez large, ça va faire bizarre de travailler sur un pattern aussi large d'un coup. Donc je pense qu'on va le diviser comme ça de chaque côté. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, faut dire que là il y aura un flip, donc je travaille sur l'autre côté également. Ça se voit pas comme ça, mais je le fais. T'inquiète, j'ai réfléchi à tout. Donc du coup. Sur le côté, il faut faire un pattern comment? Il faut faire un motif plutôt, pardon, un motif qui est là pour se modifier, bien évidemment, mais un motif qui est là pour juste combler un espace, mais sans trop le combler. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il faut d'abord savoir où est le milieu. Donc on va dire que le milieu, ce sera là. D'ailleurs, je pense que par ailleurs, on va faire un petit cercle au milieu, du coup. Voilà. Un cercle au milieu qui me permettra en fait de. Qui va me permettre de dire que. Voilà, au milieu, là, ici, j'aurai un cercle. Ou alors, on va mettre une horloge. Voilà, on va mettre une horloge. Exactement, c'est ça qu'on va mettre. On va mettre une horloge ici. Et on mettra au-dessus peut-être un autre pattern encore un peu plus haut. Ou je ne sais quoi encore pour l'instant. Donc du coup, en partant du milieu, parce qu'on va se baser sur le milieu. Ou alors, non, attends, on va faire. Voilà. On va laisser trois crans au milieu. Donc ces trois crans-là seront libres pour autre chose. Et avec ces blocs-là, je vais me faire un petit motif. Un petit motif, pas piqué des hannetons, qui va envoyer un petit pâté sur la lune. Attendez, j'ai dit pâté? Je voulais dire foie gras. Foie gras sur la lune. Après, au milieu, je vais changer la couleur. Je vais changer la couleur. Comme ça donne une plus-value. Voilà, une plus-value au build. Et je pense que ça peut être cool, pour le coup. Donc ici, il faut dire que. Ah! Il y a bien sûr ça comme ça. Là, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il crie, bordel? Pourquoi est-ce que tu cries? P2? P2? Mais pourquoi tu cries? Mais pourquoi tu cries? Qu'est-ce qu'il y a? T'es en train de jouer à Minecraft. D'où tu rages? Voilà, tu vois? Un petit pattern simple, mais efficace. Est-ce que je le fais plat comme ça du coup pour le coup? Non, c'est de la merde. Bon, c'est de la merde, d'accord. Ouais, donc un petit pattern plat. Oh, il sera quand même assez grand du coup. Il faut toujours prendre le recul sur ta construction. Toujours prendre du recul, c'est important, c'est primordial. Que dis-je? C'est fondamental. Prendre du recul. Donc hop, ici, c'est bien le milieu, on est d'accord. Ok, donc. À partir. Donc le centre. De quelle couleur allons-nous le mettre, le centre? Eh bien déjà. Déjà, je t'explique. Le centre, hop, je vais enlever toute la partie sur le côté et je vais la remplacer avec ça. Comme ça va me faire une profondeur supplémentaire. Et c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Parce qu'on n'est pas architecte dans la vraie vie.
On n'est pas en train de refaire des créations qui existent déjà, donc sur laquelle on ne peut pas forcément aller s'exprimer. D'ailleurs, j'ai pensé à une série. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai pensé à une série. Ça serait par exemple. Je prends, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai en fond d'écran là? J'ai Notre-Dame, j'ai pas Notre-Dame. C'est quoi? Sacré-Cœur. J'ai le Sacré-Cœur en fond d'écran. Et ça serait par exemple, tu prends le Sacré-Cœur, tu prends la base du Sacré-Cœur, ou alors le plan du Sacré-Cœur, pour avoir la forme globale du Sacré-Cœur, et au lieu de venir le construire de manière historique, eh bien on viendrait le construire de manière avec ma propre vision des choses. Ça peut être sympa. J'avais dit une horloge au milieu, non? Si, j'avais dit une horloge. Ouais, mais c'est trop petit pour mettre une horloge. Moi, on va faire une horloge comme ça. Voilà, ça c'est l'horloge. Voilà, du coup, il faut le mettre en noir. Mais ouais, du coup, on prendrait le Sacré-Cœur, tu vois. On prendrait le Sacré-Cœur. Et en conservant. Putain, voiture, mec. Et en conservant la partie centrale. Des mètres de voiture! Et en conservant la partie centrale. Are you serious, dude? En conservant donc la partie centrale. On viendrait faire, je sais plus quoi d'ailleurs. On vient, en fait, en conservant le plan de la, parce que la voiture m'a perturbé complètement. En conservant le plan de la construction, on viendrait le réinterpréter. Voilà, c'est ça. Putain, 4 ans pour expliquer un truc aussi simple, bordel de, bordel, pas possible, c'est pas possible. Tu vois, quand il y a des perturbations extérieures comme ça, des fois tu te perds, tu te perds. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent, même aux plus experts. Voilà, même aux plus experts, je t'explique. Ça, tu vois, t'es rassuré. Tu te dis, ah, mais c'est bon, P2. P2, il fait de la merde de temps en temps. Oui, P2 fait de la merde de temps en temps. Ça arrive, même plus souvent que tu ne le crois. Plus souvent que tu ne le crois. Par exemple, le pattern qui est juste en dessous là. J'ai quand même bien fait de ne pas le faire en vidéo parce que j'ai répété un câble. Et je l'ai recommencé 2 ou 3 fois. Parce que je n'étais pas forcément sûr de ce que j'allais faire. Voilà. Voilà. Donc, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. On va faire un test. J'ai fait un fail, mais de l'espace. Regarde, à faire le malin, regarde, je travaille sur une moitié de pattern, je ne me suis même pas centré. Du coup, il faut que je répare cette heure. Je suis décalé de combien? Je suis décalé de 1. Putain, 1, c'est le plus chiant, quoi. 1, c'est vraiment le plus chiant. Comment ça se fait que je suis décalé de 1? Oh, putain. Bon. Pour le coup... Je suis bien emmerdé et je sais pas encore comment je vais faire. Ah, je vais essayer de rattraper ça. On va voir comment ça se profile. Fail réparé, parce que voilà, ça prend 2 secondes de réparer un fail. D'ailleurs, j'en ai même profité pour mettre quelques petits motifs. Parce que là, il faut juste combler l'espace, tu vois. Donc tu mets des motifs parce que j'ai fait ça avec là-bas en bas, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, moi, il faut qu'on fasse la poivrière, mon gars, parce que on a besoin de mettre un peu de poivre. Ça épice tout simplement une poivrière. Ça te permet d'épicer un plat, surtout un build. Et du coup, ça te met une plus-value. Voilà, j'aime bien parler en termes de plus-value parce qu'il faut mettre des plus-values dans ton build. C'est tout. S'il n'y a pas de plus-value, qu'est-ce qui fait que ton build a une valeur? Aucune! Aucune! Parce qu'il n'y a pas de plus-value, justement. Donc, mets une poivrière, comme ça te met une plus-value. Poivrière, je vais la faire relativement simple, en fait, hein. Donc, le bas de la poivrière sera comme ça en soi. Donc, on va faire ça. Sera comme ça en soi. Quelque chose de plutôt simple, hein, bien sûr, de plutôt convenable aussi, mais de pas trop compliqué, surtout. De pas trop compliqué, qui vient s'incruster bien sûr convenablement dans le pattern du bas. Voilà, quelque chose dans le genre. D'ailleurs, il me faudrait des slabs, j'ai pas de slabs sous la main. J'ai des slabs sous la main. Voilà, qui vient convenablement s'insérer à l'intérieur du pattern, au sein du pattern, bien sûr. Et du coup, là, on va utiliser ça pour faire des vitres, puisque voilà, on s'en fout. On va utiliser donc ça pour faire des vitres. Et sur le côté, on va mettre le reste là. Je ne sais pas quelle couleur on va mettre. Je pense qu'on va mettre du violet, celui qui est juste là pour combler le vide. Et ensuite, on va faire un petit toit. Donc l'intérêt de la poivrière, ça va être d'apporter de la symétrie au build, bien sûr, de la symétrie parce qu'on n'aime pas les choses symétriques, et aussi d'apporter une plus-value, comme je te l'ai expliqué à l'instant.
Et du coup, le toit, il commencera là. Ah, vous allez me dire, mais P2, mais putain, t'as un problème avec les croix, toi, t'es un putain de catholique, c'est ça, P2! Non! Non, c'est pas ça! C'est pas ça, vous vous trompez, vous vous fourrez le doigt dans l'œil, profond jusqu'à la rétine! Non, regarde, je t'explique. Parce que j'aime bien, en fait, tout simplement les croix, parce que déjà, j'en ai commencé à en mettre partout, du coup, pour avoir, tu vois, il y en a partout. Du coup, pour avoir cette unité, bah, je remets des croix. Et que ça me permet en fait de faire mes patterns tranquillement. C'est ma petite marque de fabrique, bien sûr, déposer, breveter tout ce que tu veux. Si tu l'utilises, t'es mort parce que je te poursuis pour atteinte à mes droits d'auteur. Voilà, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et sinon, ouais, parce que ça peut bien le faire. Donc là, je fais un toit rapidement juste pour qu'on puisse voir ce que ça va donner. D'ailleurs, il est très mal fait le toit. Il est absolument odieux le toit, mais c'est pas grave. Donc ouais, je fais un toit rapidement pour qu'on puisse tous rapidement voir qu'est-ce que ça donne. Et ouais, je pense honnêtement que ça devrait bien le faire. Ça devrait bien le faire. Après, est-ce que ça va bien le faire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que je le fasse plus gros? Je vais voir. Mais pour l'instant, je pense que ça devrait bien le faire. Donc tu vois, on aurait la poivrière ici. Bon, le toit est pas assez long. Le toit de la poivrière est pas assez long, je te le dis tout de suite. Ça, en fait, il faut tout remonter d'un cran. Parce que c'est pas assez grand. Il faut un truc qui s'étire un peu, qui tend vers bien sûr des contrées plus élevées, bien sûr, des contrées qui le dépassent vers une intelligence supérieure, vers les dieux en fait. Voilà, tout simplement, il faut que ça tende vers les dieux, que ça pointe vers l'Olympe, montrant et désignant Zeus. Voilà. Et du coup, ça devrait donner un truc dans le genre. Un truc dangereux, et là on va le rehausser. Voilà. Donc je pense que ça va être quelque chose de plutôt simple là. Simple là. Simple. Je voulais dire simple et je voulais dire sympa en même temps. Ça a fait le mot simple là. Alors on invente des nouveaux mots tous les jours. Donc quand tu as un truc qui est simple et sympa, tu dis simple là maintenant. Donc ça fait un truc plutôt simple là. Qui, je pense, devrait bien le faire. Ouais, je pense que ça peut bien le mettre, hein, franchement. Ça peut bien le mettre. En vrai, il faudrait peut-être le décaler plus. C'est-à-dire qu'il soit moins collé à la structure. Mais sinon, ça peut bien le faire. Bon, l'idée est là. L'idée est là. Je vais pas la développer. Je vais pas la développer plus dans cette vidéo parce que sinon, ça me prendrait trop de temps. Mais l'idée est là. L'idée est là et l'idée est bonne. Donc voilà. Donc voilà. Ok, juste pour toi, tu vois, j'ai redéveloppé le concept. Je l'ai réagencé comme il fallait. Parce que sinon, tu vas râler dans les commentaires. Je te connais, je te connais. Tu vas venir, tu vas râler dans les commentaires et tu vas vouloir tuer mon cheval. Non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible du tout. Du coup, je l'ai bien fait comme il faut. C'est-à-dire qu'en fait, cet angle-là, au départ, il était sur la partie intérieure de ce poteau. Le poteau, il tend. Comme ça. Au départ, l'angle qui est ici, mais côté intérieur, il était ici. Et je l'ai décalé ici. Voilà, tout simplement. Tu vois, il est décalé plus à l'extérieur, ce qui fait ressortir en fait la poivrière un peu plus. Du coup, on va continuer à développer le projet. On va continuer bien sûr à le développer. On va prendre des escaliers de stone brick murray, et on va venir un peu peaufiner, améliorer, improve the stuff. Quoique d'abord, on va d'abord faire ça, regarde. Parce que ça, on pourrait, tu vois, on pourrait en soi, regarde, je t'explique, on pourrait le faire ressortir légèrement et ajouter donc, qu'est-ce que je t'ai dit? Ajouter une plus-value. Eh oui, une plus-value, tu commences à comprendre. Tu commences à comprendre ce dont on parle. Donc, avec cette plus-value, on va pouvoir investir. Oh, c'est pas mal ça. On va pouvoir investir dans des objets de plus grande valeur, bien sûr, et donc au fur et à mesure du temps, notre patrimoine immobilier ne va cesser de croître, et c'est ainsi que nous allons devenir rentiers. Eh oui, rentiers. Magnifique, non? Donc, alors attends, hop. Non, ça c'est nul. Oh, oh, fuck. Peut-être laisser ça comme ça, pour le coup. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Bon, on va venir travailler sur le dessous, du coup. Travailler sur le dessous.
Très simplement, on va pas se prendre la tête. On va faire hop, hop, hop. Mince, hop, hop, hop. Juste pour ajouter un peu, d'ailleurs on va bien le finir, juste pour ajouter un peu de forme au pattern, enfin au pilier plutôt, histoire que ça soit pas juste un simple pilier, parce que sinon vous allez faire P2. Bon, je veux bien P2, avant tu mettais trop de détails, hein, il y a très longtemps, il y a de ça 3 ans de ça, peut-être 2 ans, allez 2 ans de ça, hein, Wolbers t'as pété un câble, ok, je veux bien. Après, tu t'es calmé un peu, mais là, P2, où est passé le minimum de travail? Maintenant, tu fais quoi là? Tu poses des blocs seulement. Non, mais oh! 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 Où est passé le P2 qui faisait des builds avec n'importe quoi? Qui pétait des câbles avec n'importe quoi? Eh bien, ce P2, mon ami, n'existe plus. Il est mort. Il est mort, Marais. Il est mort. Il n'existe plus. Il est en fuite vers d'autres contrées plus sombres et sordides encore que celle que tu n'as déjà imaginée dans tes rêves les plus noirs. Et oui, il s'enfuit, court, vagabonde dans d'autres terres, loin du monde des vivants. Et du coup, je l'ai remplacé. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Et voilà! Magnifique! Feu d'artifice! Il est où, feu d'artifice? Feu d'artifice! Où es-tu? Attends, hop. Ouais, ça va, ça rend bien. C'est peut-être un peu fat en haut quand même. C'est un petit peu fat, hein. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. C'est un petit peu fat. Nous allons donc réduire ça et revenir en fait comme c'était au départ. C'était bien au départ. Ça ressort trop en fait. Et du coup, ça, on va peut-être un peu le. On va peut-être un peu lui dire de se calmer, tu vois. Hop, lui aussi. Parce que bon, comme je t'ai dit. Faut pas pousser mémé dans les orties. Hein, c'est le problème. Et si tu poses trop mémé dans les orties, à la fin, ta tarte au citron, je t'ai déjà expliqué, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas avec la petite meringue dessus. Non, tu ne l'as pas. Elle te la met dans la gueule. Exactement. Elle te la met dans la gueule. Et ça, c'est typiquement quelque chose que l'on ne veut pas. Hein. Faut respecter tes aïeux. Bien sûr, il faut respecter tes aïeux. Hein, parce que tu payes leur retraite quand même. Et ça, c'est pas normal. Mais c'est pas grave. C'est pas grave! C'est pas grave. Regarde, hop, hop, et tada! Voilà, comme diraient les Français. Ah, mais je suis français, moi. Non, franchement, ça rend bien. Ça rend bien. Alors, le petit pattern sur le côté, là, en blanc, avec cette différence, je l'ai repris d'ici. Hein, si vous avez l'œil expert, comme d'habitude, hein, vous avez remarqué, je l'ai fait en plus grand. Et sinon, ici, bon, j'ai fait de simples motifs, que je vais d'ailleurs refaire en dessous ici, avec peut-être une porte ici. Pour le coup, une porte assez grande pour, je sais pas. Faire joli. Et sinon ça le fait bien. Ça le fait bien, je trouve. Présentation, présentation. Regarde, regarde ça, c'est beau. Il y a des shaders, ça brille, hein, tel des Illuminati au soleil, bronzons au coucher de la lune. Eh bien, nous sommes là pour la présentation avec des shaders, c'est magnifique. Il y a une ambiance qui est plutôt sympa qui ressort du build en général. J'aime bien du coup. Ici donc il y aura des jardins. Je commence à un arbre. Et oui, on va mettre des arbres custom. Ici, bah, je vous dis qu'il y aura un jardin. En termes d'ambiance, je trouve que ça le fait plutôt bien. Tu vois, là, on peut aller vers la tour. Alors, je suis désolé si ça lague un peu. Si ça lague un peu. Là, on peut aller vers la construction, tout simplement. Ici, je m'envole. Ici, on a donc le pattern de base. Enfin, de base. Le pattern d'entrée, plutôt. On a ici toute la partie nord-est, nord-ouest, pardon, du château, avec la poivrière sur le toit. Je trouve que ça rend vachement bien. Et ici, donc, hop, soleil, je suis à contre-jour. Une deuxième petite poivrière avec notre pattern qu'on a fait aujourd'hui. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Si on prend du recul sur la construction, on commence à avoir un truc qui est vraiment, vraiment cool. Franchement, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce château dans les commentaires? Est-ce qu'on est sur la bonne voie ou est-ce qu'on est en train de se chier dessus? Je sais que certains d'entre vous diront ça et ceux qui diront ça, je les bloque. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous bloque. Rien à foutre. Moi, je suis un malade. Je suis un malade. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à plus, à bientôt et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Regarde-moi ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Allez, tchuss!